Ouais, j'ai qu'une clé de Tadoua à vous faire gagner, malheureusement. Je n'ai pas eu plus. C'est Steam qui est arrivé qui m'a fait: tiens, t'as gagné une clé en rab. Salut Kimi! Martin! C'est le deuxième jour que la pauvre va partir en lambeaux. C'est vrai? Ou bien ce Je vais sera peut-être écouter un peu ce qu'ils disent avant. les démangeaisons qui vous rendent fou ou les rats? Jasper, c'est ça? Ce n'est pas si mal ici. Sauf que votre femme me manque. Oh! Là, vous avez du cran, je vous l'accorde. Le mec! Oh! Qu'est-ce qui va changer? Salut! Ce masque vous va ravir. Je sais qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Et je peux vous aider. Bah t'inquiète, je suis là pour te sauver, mec! Je vous en paierai autant que vous voulez. Et je te libère comment? Levier d'ouverture. Oh putain, j'ai cru que j'allais le tuer. Ça fait du bien d'être debout. Merci, Corvo. Votre mission de ce soir Merde. est de la plus haute importance. Je sais pas comment je vais vous la faire gagner. Tuer Campbell et tuer le Je sais pas. Quand ce sera fait, récupérez son journal. Son fameux livre, livre noir. Ensuite, filez. Campbell s'entretient avec l'officier Curnow. D'après mon informateur, Campbell va vouloir l'empoisonner. Peut-être pouvez-vous en tirer avantage. Bien, je ne vous serai d'aucune aide ici. Je ferai mieux de retourner au Hound Pit's Pub. Si je vois Samuel et son bateau, je lui dirai d'aller vous chercher dans l'arrière-cour, derrière le bureau du grand superviseur. Ok. Que les esprits vous guident et que la tête de notre ennemi tombe sans qu'il vous arrive de mal. Thanks, bro! Bon, on y va. Putain, pourtant j'ai amélioré mon clignement quoi, et ça suffit même pas quoi. Ah oui, bien, merci de me le dire. Ah non, elles sont toutes là-bas. Quoique là, il y a peut-être un charme d'os. Que dalle. Mais merci Seaward de me rappeler qu'il faut peut-être que je check les runes. Tu n'as rien vu. Je vais te ratatiner. Abandonne. Arrêtez ça et sortez rien. Immédiatement. Elle ou la grenade. Adran, tu sors. Ah, d'accord, oui. Je m'améliore, vous remarquerez indiscrétion. Petit à petit. Salut Xana. Petit à petit, je m'améliore en niveau. Furtivité. Je pourrais rien ouvrir par ici. Jouez à votre manière.
Slack Jaw. Je veux voir si c'est pas un accès vers le toit en fait. J'ai pas des runes en rab là, j'ai une idée. Merde! Parce que j'ai pas les runes ici. 44, 54 mètres. LOL! À l'étage avec le capitaine de la garde. Il en a pour des heures. Continue de chercher. Et je dirigerai 100 fois quand je l'aime. Il ne se sépare jamais de son fond. La rune est juste là. J'avais la rune! Bang. Car l'outsider. Elle est là. Mes pieds. Elle est l'étage en dessous. Œuvre pour lui à leur insu. Il est fort. Et seule une volonté inébranlable peut lui résister. Invariable. Car il existe 7 portes lui permettant d'entrer dans le cœur de l'homme. 70 sortes d'esprits vivant sur terre et dans ses entrailles. Et non, j'ai pas oublié les runes. Je cherche justement à y accéder. Et il est éternel. Car il a vécu bien longtemps avant nous, et il vivra encore lorsque nous serons rendus. Superviseur Stiglitz, ma plus jeune sœur vit chez ma femme, mais elle ne parle pas de sujet. Elle ne parle que de choses étranges, de machines et d'arithmétique. Hier, elle a même souhaité lire un livre. Que dois-je faire? C'est fort préoccupant. Les jeunes femmes comme elle succombent facilement à l'outsider. What? Ça y est, tu lis un bouquin? Et t'es pfff. Macho, va. Ah! Ils nous ont pas entendus? Serpent ailé. Je n'ai une en bas, une en haut en fait. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Push, push, push. Normalement, j'ai désactivé l'alarme, donc c'est bon.
Bon. Je vais avoir au moins une des runes. L'autre, faut que je trouve un autre moyen pour y accéder. Et... ah, je vais voir celle-là. Elle est toute proche. Salut Trevasu. Je la veux. Mais j'ai deux soucis. Petit 1, toi. Toi, plus être un souci. Souci 1, réglé. Maintenant, c'est l'heure pour souci 2. Je l'entends. Eh ? Elle est juste derrière ce mur. Hein ? Toi t'es trop sur le chemin. Chut. Me force pas à te buter, tu fais trop de bruit. Mais j'ai pas besoin de calme, moi, je suis tout à fait normal. LOL. Je vous vois. Et votre nièce, Calista, n'est-ce pas? Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Vous la trouvez. Les hommes passent la vie au pain. Calista est une femme. Il m'a vu. Il me faut cette ruine. Mais l'autre, il veut le buter. Attendez, il va réussir à le buter ou est-ce que j'ai empoisonné le bon verre? Merde! Tiens, un domestique a dû la fermer en sortant. Voyons, ça n'a pas l'air d'être la bonne. Pas celle-ci. Prendrez-vous du vin? C'est un rouge de tibia. Merci. Toi, tu m'importunes. À vrai dire, je n'en suis pas sûr. Mes hommes, vos superviseurs, quelques belles de nuit, peut-être un peu trop de vin, une farce innocente avec une poule, et 10 minutes plus tard, Trevor's Alley n'est plus qu'une mare de sang. J'aurais presque aimé être là. Ne vous étouffez pas, Campbell. Ce n'est rien, Cordo. J'ai avalé de travers. Bref, parlons des superviseurs. Ils sont tout aussi coupables que mes hommes, si ce n'est plus. Sauf que mes superviseurs ont une réputation à protéger. Je ne peux pas vous permettre... Oh non, c'est impossible.